d'une dictature l'autre, la Roumanie maintenant. C'est le mauvais exemple des démocraties populaires. Tout change, pas elle. Il y a quelques minutes, le dictateur Ceausescu, le Danube de la pensée, comme il se fait appeler, a reconnu que l'armée était bien intervenue à Timișoara. Mais pour lui, ce n'était que des hooligans qui avaient semé la violence. En fait, la répression face aux manifestants a été d'une violence inouïe. Hier, on parlait de 300 à 400 morts. Selon certaines sources fournies aujourd'hui par l'agence de presse ADN, le bilan serait plutôt de 3 000 ou 4 000 morts. Et ce soir, on a appris que deux nouvelles manifestations avaient lieu à Timișoara. 50 000 personnes, selon certaines sources, manifesteraient. Jérôme Bonny, dernier témoignage. D'abord des cris, abat Ceausescu, puis à l'adresse des soldats qui s'approchent, honte à vous, cochon. Ils viennent vers nous, clame quelqu'un, éclatent alors les premiers coups de feu. La fusillade s'amplifie, mitrailleuse lourde. Et enfin les chars. Sur ce document sonore, l'ampleur de la répression contre les manifestants de Timișoara le 17 décembre. Ce soir, à la télévision roumaine, Nicolae Ceausescu l'a d'ailleurs reconnu. Les unités militaires ont été obligées de défendre l'ordre et les institutions, dit-il. Les événements de Timișoara sont très graves. Il faut maintenant rechercher les auteurs de ces troubles. Il s'agit de hooligans, de terroristes fascistes, manipulés par des services secrets étrangers, précise M. Ceausescu. La capitale, Budapest, est quadrillée par la police et l'armée. La plupart des grandes villes du pays en état de siège. Mais la télévision roumaine garde le silence sur ces événements et diffuse ce reportage, le voyage de Ceausescu à Téhéran, le dictateur, marxiste, léniniste et athée, s'inclinant sur la tombe du musulman Khomeini. Au même moment, toujours à Timișoara, de nouvelles manifestations dégénèrent et tournent à l'affrontement, alors que l'on apprend que tous les étudiants de la ville auraient été déportés